Bon après-midi tout le monde et bienvenue à la réponse du gouvernement à la révision de la loi sur les langues officielles. Good afternoon everyone and welcome to the provincial government's response to the review of the official languages. Bonjour tout le monde. Pour prendre la parole au nom de la province aujourd'hui, l'honorable Blaine Higgs. Aujourd'hui est l'honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick. Avant de céder la parole au premier ministre Higgs, je demande aux personnes qui sont en ligne d'assurer bien désactiver le son de vos micros. Before I turn things over to the premier ministre Higgs, je demanderai à tout le monde en ligne de vous assurer que vos micros soient sourdines. Merci, monsieur le premier ministre. Ça me fait penser au jour COVID, d'être ici dans la salle. Mais bien sûr, ma collègue me manque. L'année a été longue. Quand on pense au moment où ce rapport a été déposé, il y a un an, jusqu'à maintenant, je sais que plusieurs ont été préoccupés depuis, des préoccupations comme quoi il y aurait de grands changements, de grande portée. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes qu'une chose disparaîtrait ou une autre. Mais je suis ici pour vous parler de ce que nous allons faire et pas ce qu'on pensait faire, pas pour vous expliquer ce que nous allons supprimer. Et je suis désolée du temps que ça nous a pris. Et dans plusieurs cas, c'était question d'en arriver à une solution pour devenir une province réellement bilingue, avec un plus grand nombre de personnes réellement bilingues. Le Nouveau-Brunswick est unique au Canada. It should be a source of pride for all of us, but too often it has become... Ça devrait être une source de fierté pour nous tous, mais trop souvent c'est une question qui est devenue politique, qui nous a empêchés d'avancer. Est un pas important de notre histoire et de notre culture. Afin de miser là-dessus pour devenir le meilleur possible, nous devons trouver des solutions et nous devons le faire ensemble en tant que province. Voilà pourquoi nous devons prendre soin d'aborder les recommandations découlant de la révision de la langue officielle de la bonne façon, de façon à nous rassembler et à nous unir. Et nous sommes déterminés à traiter de façon juste et effective le soin qu'ils méritent. Je tiens à remercier les commissionnaires qui ont été nommés pour superviser la révision de la loi sur la langue officielle, la juste Eva Finn et John McLaughlin. Je les remercie pour leur travail acharné et leur dévouement. Leur révision très complète a donné lieu à des recommandations au gouvernement qui nous ont permis de réfléchir aux actions que nous pouvons prendre pour faire avancer les droits des deux communautés linguistiques, tout en faisant la promotion de l'apprentissage d'une deuxième langue pour tous les Néo-Brunswickois à travers de toute leur vie. Être bilingue peut être un de nos plus grands actifs, mais si ça continue d'être un domaine qui nous divise en raison de l'opportunisme politique, on n'atteindra jamais notre plein potentiel. J'aimerais vous signaler que ce n'était jamais l'objectif de supprimer les droits de quiconque ou de supprimer quoi que ce soit, en fait. Mais ça a toujours été une critique qu'on lance à mon égard depuis que j'ai commencé à être le premier ministre de la province pour créer de la peur. Mais j'encourage à tout le monde de regarder profondément en soi et regarder réellement ce qui s'est passé. Alors, ce que nous présentons aujourd'hui est un mécanisme pour régler les questions pour les deux groupes linguistiques. Je sais que nous avons pris plus de temps que prévu au départ pour examiner ces recommandations qui avaient une grande portée et couvraient toute une gamme de domaines, y compris
milieu de travail, l'éducation, le fonctionnement des municipalités et même le rôle des commissaires. De prendre le temps d'examiner attentivement toutes les recommandations avant de fournir une réponse. Nous voulions faire les choses correctement. En fin de compte, nous voulons offrir les meilleurs services possibles de la façon la plus efficace possible. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer, en tant que réponse à ces recommandations, la création d'un secrétariat des langues officielles. D'annoncer, en réponse à ces recommandations, la création du secrétariat aux langues officielles. Ce secrétariat nous aidera à faire la promotion des nombreux aspects positifs de la province avec ces deux langues officielles et nous aidera à renforcer nos capacités d'offrir aux résidents du Nouveau-Brunswick et aux visiteurs à la province des services de qualité en français et en anglais. Il nous aidera à créer un changement culturel positif à travers la province et la fonction publique, un changement qui nous aidera et nous soutiendra lorsque l'on accueille notre rôle en tant que leader dans les langues officielles. Sarah. Une activité au comté d'avril 2023. It will operate as part of the Department of Intergovernmental Affairs. Il fera partie du ministère des Affaires intergouvernementales et sera responsable de la coordination, le soutien de la loi. Les avantages du bilinguisme. Il fera la promotion de l'importance d'apprendre les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick et il offrira un soutien aux membres des deux communautés linguistiques. We need to be cautious to be. Nous devons faire attention pour nous assurer que nous allons améliorer la situation et non l'empirer lorsqu'on adopte des changements qui impactent la vie des gens et leur capacité d'avancer et d'évoluer. Et nous savons que nous allons connaître des défis en cours de route. Voilà pourquoi il est tellement important pour nous de maintenir un dialogue ouvert en continu avec les résidents du Nouveau-Brunswick, avec les leaders communautaires, avec les parties prenantes et les organisations à travers la province et avec tous les députés de l'Assemblée législative. Meilleur pour les gens du Nouveau-Brunswick, pour tout le monde et la possibilité de réussir dans notre province. Merci beaucoup. Thank you. Will have one question. You have the right to pose your question in the official language of your choice. Just to let you know, I will be alternating between members of the media who are present in the room. Juste pour vous annoncer que nous allons alterner entre la salle et les personnes en ligne. De votre choix, il y aura une question. Et pour votre information, je vais alterner entre les membres des médias qui sont présents dans la salle et ceux qui sont en ligne. We will now start with Jacques Poitras, CBC. Jacques Poitras, CBC. Une des recommandations de l'année dernière était d'examiner le mandat du commissaire aux langues officielles. Qu'est-ce qui arrive à ce poste et est-ce que ça veut dire qu'il y aura des modifications ou non à ce poste? On ne s'est pas penché là-dessus dans cette réponse. Si ça arrive, ce sera fait suite à un examen du comité de l'Assemblée législative qui est responsable des hauts fonctionnaires et de différentes catégories de bureaux. Je sais, au Nouveau-Brunswick, nous avons beaucoup plus de hauts fonctionnaires de l'Assemblée législative que d'autres provinces, mais ce sera un autre examen distinct. Ça ne fera pas partie de cet examen-ci. Une question par personne. I can ask it in French. Au mois de juin, Monsieur Higgs, vous avez dit que votre grande priorité c'était les tests d'entrée là pour avoir des postes bilingues dans la fonction publique. Et vous avez répété souvent l'importance d'être fair pour l'ensemble des Néo-Brunswickois. En particulier les anglophones qui n'ont pas accès à des postes bilingues. Et je vois, en fait, on ne voit rien aujourd'hui autre que le secrétariat. Mais sur cette question-là, j'aimerais vous entendre. Sure. And it is part of... Oui. Et ça fait partie du mandat que nous allons publier. Nous allons
ont présenté une mesure législative au printemps pour confirmer leur rôle afin que tout le monde comprenne bien. Mais l'idée d'un secrétariat, c'est vraiment de regarder les examens, les tests qui sont aptes au poste. Et nous devons avoir la capacité de faire des tests parce qu'on en a souvent entendu parler. On a entendu dire que nos tests sont offerts par une compagnie au Québec qui n'était pas adaptée à la situation. Nous devons avoir la capacité de le faire ici, mais il faut que ce soit pertinent au poste en question. Alors, les deux, oui, feront partie de ce que fera un secrétariat dans sa routine au jour le jour. Et l'idée d'en faire partie du gouvernement, c'est que ce groupe pourra travailler avec tous les ministères, comprendra les conditions de ce ministère, ce qui est nécessaire, et s'assurera que les bonnes exigences linguistiques existent et les bons tests soient donnés et que les bons services soient offerts. Merci. Donc, j'imagine que la commissaire aux langues officielles va perdre une partie de son budget qui est associée à la promotion des langues officielles. Est-ce que vous pouvez me dire combien d'argent elle va perdre? Well, we're not... Non, nous ne proposons pas cela ici. Encore une fois, si on parlait d'un examen des hauts fonctionnaires, c'est le comité de l'Assemblée législative qui le ferait. Et c'est, encore une fois, si on veut revoir tout le rôle de tous les hauts fonctionnaires, nous ne proposons pas aucun changement particulier. Mais cet examen du commissaire serait pertinent de façon générale, pas précisément. Wigmore, CTV. Ce matin, la commissaire a dit qu'elle demanderait un plus gros budget pour la promotion des langues officielles. Est-ce quelque chose qu'elle recevra? Ben, en fait, étant à la lumière de ce que nous faisons ici, et un des rôles principaux du secrétariat sera justement d'offrir des possibilités en termes réels au Nouveau-Brunswick, afin qu'à travers toute la province, on reconnaît les avantages. Et je crois fermement, réellement, que si nous avons une plus grande capacité générale de parler les deux langues officielles, on atteindra un potentiel qu'aucune autre province ne peut atteindre, parce que nous sommes la seule province bilingue. Et je pense que ceci est d'une importance extrême. Et voilà pourquoi je vise tellement le côté éducation. Mais le côté promotion de ce qu'on propose ici, le secrétariat, c'est afin de faire la promotion et d'identifier et de travailler auprès des communautés de façon à ce que la province entière profitera de ce statut de bilingue. Alors, ça fera partie des responsabilités du secrétariat. Andrew Waugh, Brunswick News. Alors, ce rapport incluait nombreuses recommandations. Combien de ces recommandations seront acceptées par le gouvernement? Combien rejette-t-il et lesquelles, s'il vous plaît? Non, Andrew, en fait, je ne peux pas les repasser une à la fois parce qu'elles sont regroupées différemment, relèvent de différents secteurs et se retrouveraient dans différents groupes, justement. Et le rôle du secrétariat sera de déterminer, bon, est-ce que ceci est réellement un problème? Est-ce quelque chose sur laquelle nous pouvons nous pencher? Est-ce quelque chose que nous pouvons résoudre? Alors, ce n'est pas question de recommandation numéro un, réponse numéro un. C'est question de créer une équipe qui sera en mesure de regarder les possibilités qui existent et comment, ensemble, nous pouvons améliorer nos capacités et, ensemble, nous pouvons répondre aux besoins de la loi sur les langues officielles, mais de façon qui sera comprise par la population de la province. Et nous le ferons en misant sur notre éducation, sur nos capacités éducatives, afin que ce soit beaucoup plus facile de vivre et de fonctionner dans une société bilingue, qui est l'objectif dans la province entière. Nathalie Sturgeon, Global. Pourquoi est-ce que la commissaire n'a pas reçu plus de financement pour son budget de promotion? Elle a dit ce matin qu'elle avait demandé plus de financement et qu'on lui avait refusé.
Elle n'a pas dit dans le passé, elle a dit qu'on lui a refusé 40 000 $ de plus pour ses activités de promotion. Je ne connais pas la date exacte de cela, mais je suggère que le rôle de ce groupe-ci sera de faire la promotion. Ce n'est pas une fonction que la commissaire a jouée de façon intégrale. Alors nous, on veut vraiment que ce soit un des piliers, un des axes d'action de cette nouvelle entité, ce secrétariat. Alors lorsqu'on va créer ce nouveau groupe par l'entremise du ministère des Affaires intergouvernementales, on veut justement avoir un mécanisme qui nous permet de réaliser tous les objectifs de la loi sur les langues officielles, mais tout en reconnaissant les réalités d'une province bilingue et de traiter de ces réalités de façon à ce que les gens feront leur propre promotion si ça fonctionne. Et s'il y a des préoccupations, des plaintes individuelles que nous voulons tous résoudre, bon, ben ça, justement, ce serait un groupe de travail qui pourra le faire. Alors, ce n'est pas question de retourner en arrière et dire, et ce budget-là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est plutôt comment est-ce qu'on va miser sur ce groupe-ci, qui est celui qui va vraiment pousser l'objectif de ces deux langues officielles. Tina Han. Hi, Tanya. How are you doing? Hina, Canadian Press. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous me dire quelques mots sur le rôle du secrétariat? Vous avez dit les activités promotionnelles, identifier, faire la promotion d'activités au sein des communautés. Qu'est-ce que ça veut dire et quand est-ce que cette personne va commencer en poste? Le secrétariat va ouvrir officiellement au mois d'avril 2023 à l'intérieur du ministère des Affaires intergouvernementales. Dans le communiqué de presse, vous allez voir une liste de ce que nous envisageons être les devoirs de ce secrétariat. Je peux les repasser avec vous ou je peux vous envoyer une copie de ce communiqué de presse. Philippe Morin avec TVA. Monsieur Morin. On va maintenant, we'll now go to Vicky. Vicky Hogard, CHCO. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez parlé de l'importance du système d'éducation dans cette identité bilingue. Est-ce que les Néo-Brunswickois devraient prévoir ou s'attendre à des grands changements au programme d'immersion en français? Plus tard cette semaine, le ministre Hogan va donner une conférence de presse sur l'avenir de l'éducation du côté anglophone. Je pense que c'est prévu pour la fin de cette semaine-ci. Alors, je lui laisserai vous expliquer, mais on va attendre ses propos. Parce que depuis 50 ans, ce que nous avons constaté, justement, ça fait partie de ce qu'on dit ici, qu'on devrait, après 50 ans, être une province bilingue. Si moins de 30% de nos jeunes terminent leurs études bilingues, on va continuer à parler comme ceci pendant toujours. Alors moi, j'espère qu'on peut modifier le système d'éducation du côté anglophone, au moins. Aujourd'hui, 95 ou 98% des élèves du côté francophone sont bilingues lorsqu'ils terminent leurs études, mais on aimerait que ce soit la même chose du côté anglophone. Mais je laisserai la tâche au ministre Hogan de vous en parler. Merci. Bradbury, Tamara Steele de CHSJ. Steve McKinley, du Toronto Star. Oui, bonjour, je vais y aller en français. Oui. Juste pour clarifier la question de mes collègues, est-ce qu'on va avoir un secrétariat qui est chargé de la promotion et une commissaire aussi qui va être chargée de la promotion ou vous voulez absolument, vous avez parlé d'un work group, est-ce que vous voulez absolument rassembler les deux? Qu'est-ce que vous voulez faire actuellement? Voulez-vous les distinguer, les rassembler ou vraiment enlever les pouvoirs de promotion à la commissaire?
What we've seen, the commissioner's role has been... Le rôle du commissaire est axé sur les plaintes et je pense que le commissaire, c'est où on devrait se rendre comme pour les plaintes. Comme on le dit, comme c'est annoncé, si vous avez une plainte, si vous avez un problème, appelez le commissaire aux langues officielles. Le rôle du secrétariat n'est pas de recevoir des plaintes. Le rôle du secrétariat est de comprendre ce qui arrive dans chaque ministère pour voir si on répond bien ou niveau de la loi, ce qu'on fait, exactement ce qu'on est censé faire selon la loi, mais qu'on travaille auprès des communautés pour s'assurer qu'on identifie là où il y a des points sensibles, où on s'assure que le niveau de service est satisfaisant à travers toute la province. Alors, il y a une grande différence entre les deux. L'idée du secrétariat, c'est d'être axé sur les solutions, d'être axé sur l'innovation, comment créer, comment développer, comment faire la promotion. Et ce n'est pas censé être un organisme qui est axé sur les plaintes. Ce sera très rapproché de tous les ministères et son objectif est d'offrir les services. Soutien avec Radio Reste Gauche. Bon après-midi, Monsieur le Premier ministre. En éducation, dans les écoles anglophones de la province, avez-vous l'intention de réformer l'apprentissage du français pour que les Anglais aient le même apprentissage du français que les Français ont de l'anglais? Pour ce qui est, comme je l'ai dit, on va attendre le ministre de l'Éducation qui va parler du programme prévu. Mais comme on l'a souvent dit, l'idée est d'avoir tous les élèves, le plus grand nombre possible, qui parlent les deux langues, au moins à un niveau de conversation lorsqu'ils terminent leurs études, mais de pouvoir évoluer à leur propre niveau, au niveau qu'ils veulent atteindre. Mais ce n'est pas nécessairement unique. L'apprentissage d'une langue, c'est quelque chose qu'on fait dans les sciences, par exemple. On veut avancer au niveau qui est important pour vous, selon vos objectifs. Alors, je pense qu'il y a des choses que nous pouvons apprendre du côté francophone, oui. Et je pense que c'est plus facile pour les francophones d'apprendre l'anglais en raison de ce qu'on voit dans notre milieu d'aujourd'hui. Je le comprends tout cela. Mais je connais les défis également. Je connais les défis qui existent pour un unilingue francophone ou anglophone. Je connais les défis que moi j'avais en tant qu'anglophone unilingue. Et je sais combien on me critique pour cela. Des critiques qui sont injustes d'une certaine façon parce que ce n'est pas basé sur une réalité, mais c'est basé sur le fait que je ne parle pas les deux langues officielles et je ne veux pas que les autres connaissent cela. J'essaie, moi, de trouver une façon pour que les personnes n'aient pas à connaître ma situation dans une province que j'adore, que personne ne se fasse dire « Ah, vous ne parlez pas les deux langues, donc vous avez un problème ». On a beaucoup de personnes qui ont le même problème que moi. Et je n'avais jamais considéré ça un problème jusqu'à ce que je commence cet emploi-ci. Alors, je veux que ce soit différent pour les autres, que personne d'autre n'ait un problème parce qu'ils ne parlent pas les deux langues. Alors, j'essaie d'en arriver à des solutions pour aider les autres néo-brunswickois, pour que tout le monde puisse faire partie d'une province réellement bilingue. Et voilà l'objectif. Voilà l'objectif de tout cela, d'essayer de trouver un système d'éducation qui fonctionne. Et nous sommes ouverts à toute solution pour atteindre. Mais nous devons améliorer. Sinon, dans 50 ans encore, ce ne sera pas moi, évidemment, mais d'ici 50 ans, on sera toujours en train de parler de la même chose. Alors moi, j'espère qu'on commence sur un cap, qu'on change de cap, qu'on soit sur un cap qui sera déterminé par les éducateurs pour avoir de meilleurs résultats scolaires et linguistiques. Merci. Alex Villeneuve, Radio-Canada. Yes, please correct me if I'm wrong, but do I understand correctly that all of the recommendations of the commissioner have been refused? So why did it take a year? So do you want me to start it again? You're not connected. Okay, so recommendations, commissioner, I get it. Why did it take so long? And why did you refuse every recommendation of the commissioner?
Je ne les ai pas refusées. Plusieurs de ces recommandations sont déjà en action. Et l'objectif de créer ce secrétariat, c'est pour regarder ce que nous mettons en œuvre et comment le faire et l'améliorer. C'est difficile de prendre un rapport qui a 33 recommandations et essayer de les résumer. Alors on a dit, bon, ben, prenons un groupe qui peut regarder les réelles questions qui nous aboutiront en de réelles améliorations au sein du gouvernement et qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire ou ne pas faire dans une pleine mesure. Mais voilà notre objectif. Nous voulons, nous allons le faire au sein du gouvernement de façon quotidienne. De permettre une autre question de suivi avec le temps permet pour quelques gens. We have time for a few actions. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui a une question de suivi, veuillez me l'indiquer et Jacques Poitras, Michel Courriveau, Boudreau et ensuite Nathalie. Alors, le rôle du commissaire pourrait faire l'objet d'un examen dans le cadre d'un examen plus large et les normes d'embauche vont au secrétariat. Il y aura d'autres recommandations sur lesquelles il y a des actions actuellement, mais on ne sait pas lesquelles parce que ce sera le travail du secrétariat. Ce n'est pas un exercice très transparent qui nous permet de passer à travers une liste de recommandations. On dirait qu'il n'y a rien, qu'il ne se fait rien, mais on ne le sait pas. Ben, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient en arrière-plan. Personne n'a été perdu, rien n'a été supprimé. C'est juste une meilleure façon de mieux comprendre les réalités d'une province bilingue aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut améliorer cela ensemble. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer dans les deux langues officielles? Alors, je pense que c'est facile, c'est pas imprévu non plus de dire voici ce que vous n'avez pas fait, mais c'était pendant tout ce temps-là, c'était les questions étaient ben, qu'est-ce qui va être perdu, qu'est-ce qui va être supprimé. Et je comprends le fait que les gens sont sensibles, mais non, je veux insister sur le fait que nous supprimons rien, nous ne perdons rien. On veut trouver la façon d'avancer pour que la province évolue ensemble, deux groupes, deux cultures individuelles, mais qui peuvent travailler ensemble pour bâtir cette province. Et le secrétariat le permettra de façon coopérative, de façon inclusive, non menaçante. Sans passer par des absolus, oui, vous avez appliqué cette recommandation-là ou non. Qu'est-ce qui va arriver quant à l'obligation de revoir le projet de loi aux 10 ans? Ben, actuellement, selon la conférence de presse, le communiqué de presse, ceci fait partie de la révision. On est censé revoir la loi et porter des recommandations telles que pertinentes. Mais on a des personnes qui le font tous les jours, tous les mois, tous les deux mois. Et nous regardons constamment des améliorations dans la loi. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une nouvelle mesure législative chaque année? Non, probablement pas, mais il y aurait peut-être un total d'actions qui ont besoin de correctifs législatifs. Alors, nous, on ne dit pas que ça ne devrait pas être aux 10 ans. Je pensais pas que l'intention était aux 10 ans. Actuellement, on vise un examen sur une base régulière qui pourrait être annuelle. Ça dépendra du secrétariat et ça dépend des dossiers qui sont présentés. La loi précise 10 ans. Est-ce que vous allez supprimer cela? Ben, je dis que nous allons apporter des mesures législatives à l'automne. Mais on dit qu'ici, on dit un examen régulier. On ne dit pas que ça va se poursuivre ou non, mais on dit que ce serait plus fréquent dans le sens que ce serait régulier, ce serait une analyse et des examens. Monsieur Boudreau, donc il y a eu un rapport sur l'apprentissage du français en tant que langue seconde. Vous en avez parlé souvent, l'immersion en français.
Ça a pris au gouvernement plusieurs mois, 2 mois, de réagir aux recommandations dans ce rapport, et aujourd'hui, vous ne parlez que du secrétariat. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que vous ne présentez pas une réponse plus complète au rapport au complet des deux commissaires? Ça a toujours été intéressant pour moi que les deux sont de fondation, sont de base. Si on ne trouve pas une façon d'enseigner les deux langues officielles à tous nos enfants, on va continuellement avoir un programme. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que je voulais comprendre comment on peut améliorer l'éducation. Et ça a pris longtemps. Et comme on l'a dit, le rapport va être présenté cette semaine, mais si on ne s'améliore pas à ce niveau-là, le reste ne va pas s'améliorer. Alors, vous pouvez dire, oui, c'est un rapport ou l'autre. Non, mais c'est un rapport fondationnel. C'est à la base même de notre province bilingue. Important pour l'importance du bilinguisme officiel de la province. Et nous allons continuer à le faire, mais nous allons le mettre en valeur et le bonifier là où nous pouvons, et le secrétariat, donc agir en tant que catalyseur. Ce n'est pas question d'avoir ce rapport avec ses recommandations, et ça m'a pris X temps, et l'autre rapport avec ses recommandations, là, et ça m'a pris Y temps. Non, l'éducation est une fondation, et si on ne règle pas ce problème-là, le reste ne sera jamais réglé. Étant donné la relation avec la société civile, pensez-vous que ceci suffit pour rectifier, réparer une partie de cette relation? J'espère sincèrement que nous allons reconnaître ce que sont les efforts réels ici, ce que nous essayons d'accomplir. Et on essaye d'atteindre cet équilibre, de continuer à protéger les droits des francophones, mais qu'on continue à travailler avec les deux groupes pour offrir des services dans la province entière. Nous savons qu'il y a des inquiétudes. Nous savons qu'il y a peu de temps, il y a eu un parti qui se penchait justement là-dessus. Et nous, on dit que nous aurons un groupe maintenant qui agiront de façon collaborative pour déterminer comment on peut améliorer la situation ensemble, pour qu'il n'y ait pas de tensions, ces mêmes tensions dans la province, afin d'avoir un groupe harmonieux. Et c'est délicat d'essayer d'équilibrer tout cela. C'est tout un défi et je l'ai ressenti plus que autrui, mais j'espère avoir trouvé l'équilibre pour les francophones, de reconnaître, on n'a rien supprimé, il y a un groupe aujourd'hui qui a été créé pour régler de vrais problèmes, et du côté anglophone, que les gens vont dire, oui, on va nous écouter également. Et ceci, il sera le rôle de ce secrétariat. Alors, j'espère avoir atteint l'équilibre, mais c'est le temps qui nous déterminera. Dernière question de Brunswick News. Alors, pouvez-vous m'expliquer comment ce secrétariat sera? Vous avez parlé du comité de l'Assemblée législative. Parlez-vous d'un comité qui va travailler en coulisses, derrière des portes fermées? Non, j'ai parlé du comité de l'Assemblée législative dans le contexte de la question sur la commissaire aux langues officielles. Le commissariat aux langues officielles, s'il y a un examen des commissaires, ce sera le comité de l'Assemblée législative qui sera responsable de le faire. À l'intérieur du ministère des Affaires intergouvernementales, chaque année, il y a un procédé au gouvernement. Et dans l'examen des activités des ministères et du gouvernement, et ça devient très, très public, en fait, pour cet examen des détails, des questions. C'est ça le processus qui donne la responsabilité, l'imputabilité à cela. Et ce groupe, ce secrétariat en fera partie. Alors, il y a déjà un mécanisme à l'Assemblée législative pour le permettre. Alors, merci à vous tous. That concludes today's press conference. Thank you very much. Monsieur, I just want to understand the scale. What we have.